Et oui, nous sommes là maintenant avec Naphtali. C'est pas une moindre affaire. Le huitième fils de Jacob et de Léa. On est dans les manuscrits de la Mer Morte, 1947. Je les ai découverts pour la première fois en 1967. J'étais d'ailleurs dans un kibboutz qui s'appelait Tel Dan, dans le Ramat à Golan. Et entre la Jordanie et Israël se dessine une falaise de calcaire rougeâtre, laquelle des grottes se forment naturellement. La mer morte sommeille 420 mètres en dessous du niveau de la mer jusqu'à la saison des pluies. Des chèvres, des moutons recherchent la fraîcheur. Dans ces grottes, quoi de plus naturel? La Jordanie est le pays des Ammonites, araméens proches donc des Hébreux, Ammon ou Ben-Ami, fils de mon parent. Il est le fils né de l'union incestueuse de Lot, neveu d'Abraham et de sa fille cadette. Les Moabites sont issus de sa fille aînée, qui lui donne un fils Moab, Mehab, issu du père. Quant à la Jordanie, le nom est formé à partir d'une rivière, le Jor, que l'on appelle Gor, Gué, un petit gué, peu d'eau pour pouvoir passer à pied, et du nom de Dan, septième fils de Jacob, qui signifie le juge, né de Bilha, qui se laisse aller. Elle-même servante de Rachel la brebis, la capitale de Amman. Et la capitale de la Jordanie est Amman. Israël, le mot est formé grâce à Jacob, Yaakov, en araméen, qui signifie le talon, ainsi nommé car il tenait son frère jumeau, Ésaü. Par le talon, Jacob voulait voir la face de Dieu lors d'un somme. Après son combat avec l'ange, il prendra le nom d'Israël, fort comme Dieu. Du verbe hébreu Sarah, lutter. Et elle, Dieu, le. I, c'est le yod qui symbolise le souffle et le bras divin. I, Sarah, elle. Revenons à nos moutons. Nous sommes dans la grotte avec Naphtali. Naphtali, eh oui, un manuscrit d'abord. Ah oui, c'est important. Bien sûr que c'est important. Très important pour que vous puissiez simplement faire la différence. Ce sont des milliers de vers qui ont été, non pas tirés d'un seau, mais écrits. Donc, revenons à nos moutons. En effet, revenons à nos moutons. La grotte en arabe se dit Qumran. En araméen, Amora. En grec, Gomorra. D'où Gomorre, qui signifie sec et marneux. Kirbet. Kirbet signifie ruine. En arabe, et Wadi, le cours d'eau. D'où le nom de Wadi Kirbet Qumran. Une tribu de bédouins de la famille des Tamirés s'arrête avec des chèvres noires à la source salée d'In Feshia. Allez-y, vous verrez, c'est une merveille. In Gedi, In Feshia, faites tout ce circuit à pied. Mais comment faire autrement? Ce n'est que de la rocaille. L'un des bergers, à la recherche d'un chevreau égaré, ce berger a pour nom Ed Dib, le loup en arabe. Il la trouvera dans une grotte devant des jarres qui contiennent des manuscrits. L'aventure commence. Ed-Dib trouve les rouleaux en cuir. Pense-t-il? Le cuir donnera de nouvelles sandales. Quand il arrive à Bethléem, la maison du pain, il rencontre un cordonnier arménien qui se fait occasionnellement antiquaire, du nom de Kando, habile de ses mains en proto-sinaïtique. Ce cordonnier achète les quelques rouleaux à Ed-Dib pour 5 dollars. Les fouilles commenceront dans la région du Wadi Kirbet Qumran, à la recherche des manuscrits perdus. Qu'est-ce qu'on y trouvera? Des extraits, des commentaires de tous les livres de la Bible, le Pentateuque, Chamisha Chamush ou Torah, en hébreu. Les 5 livres de Moïse, de la création du monde à la disparition de Moïse. Les premiers prophètes, Nevi'im, Rishonim, en hébreu et en araméen, 1200 avant notre ère, à Élie, 860 avant notre ère, avec la construction du premier temple, 970 sous le roi Salomon, Sholomon, le pacifique. Les prophètes classiques, Nevi'im, Aharonim, en araméen, de Isaïe, 740 avant notre ère. Dieu enlèvera jusqu'à Zacharie, Dieu se souvient, et Malachie, mon messager, ainsi que la construction du second temple, 520. Les écrits ou hagiographes, Ketuvim, en araméen, Yob,
qui craint Dieu. Les psaumes du roi David, Odayot. Les proverbes du roi Salomon, Sefer Michelet. Tout ça en araméen. Les livres historiques comme Daniel, 690 avant notre ère. Le jugement de Dieu, Esdras, 430. Le scribe, Néhémie, 420. Dieu console, chronique et généalogie des tribus d'Israël. Les cinq rouleaux, Chamesh Megillot. Le cantique des cantiques, Ruth, les lamentations, Echa, en araméen, de Jérémie. L'Ecclésiaste, Kohelet. Salomon nous parle de la sagesse. Esther, la Megillah, l'histoire. Les textes messianiques tels que la Nouvelle Jérusalem, la naissance de Noé, les paroles de Michel, sur les pas de Jésus l'araméen, Jean-Baptiste, le nouvel Élie. Ses testaments, les 12 patriarches, enfants de Jacob avec ses épouses, Léa et Rachel, et ses concubines, Zilpa et Bila, avec Léa, Ruben, Simon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, et une fille, Dina, le jugement, avec Rachel, Joseph, Benjamin, avec Zilpa, Gad et Asher, avec Bila, Dan et Naphtali. Des hymnes et des mystères, hymnes des pauvres, mystères de l'existence, des textes divers, la règle de la communauté, les rouleaux du temple, règlement de la guerre, écrit de Damas, à propos des femmes, Enoch, le secret de l'astronomie, l'apocalypse d'Élie, Adam et Ève et Lilith, Apocalypse et Testament d'Abraham, Joseph et Asénète, propos sur Moïse, les anges, 72. Fonction, devoir, caractère, la symbolique des 22 lettres hébraïques, la science des lettres, les chiffres, l'arbre de vie, les séphirotes et les calendriers antiques. Rendez compte de ce travail absolument ahurissant. Les révélations et la qualité des manuscrits de la Mer Morte. Les manuscrits de la Mer Morte permettent une meilleure compréhension entre les peuples, les religions monothéistes de l'histoire judéo-chrétienne. Leur contenu souligne les traits de justice, de vérité, de charité, de tolérance, de différence, d'humilité, de mystère, de splendeur, de grâce, de foi, indispensables à notre monde actuel. Ces écrits qui couvrent près de 3 siècles, 2 avant notre ère, 1 après, ont été rédigés en araméen, en hébreu biblique, en paléo-hébraïque, par des castes esséniennes, sadducéennes, pharisiennes, asmonéennes, thérapeutes. Qui a intérêt à dissimuler cette histoire? Sincèrement, qui? Et pourquoi?